magistrat, a réitéré mon attachement au bon relation entre le barreau et la magistrature, qui doivent ensemble contribuer à une bonne distribution de la justice. Et je sais que vous avez un attachement similaire à tout. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Madame la Présidente de l'OFNAC, Madame l'Observateur des lieux de privation de liberté, Monsieur le Directeur Général de la SNR, notre excellent confrère Babacar Diallo, Mesdames, Messieurs les magistrats, Madame la Présidente du Conseil national des barreaux, merci pour votre déplacement. Madame la représentante du bâtonnier de Paris, cher Dominique, que nous aimons tant. Monsieur le Président de la Conférence des barreaux de l'espace OADA, mon cher ami Jackson. Je ne vais pas saluer la conférence des barreaux de l'UEMOA, sinon je vais me saluer moi-même. Monsieur le secrétaire général de la CIB, messieurs les bâtonniers, mesdames, messieurs les avocats, chers confrères, monsieur le président du comité sénégalais des droits de l'homme, mon cher confrère Pape Sel, qui se cache quelque part, mais je l'ai déniché. Messieurs les officiers généraux, messieurs les doyens et professeurs des universités, monsieur le représentant du Premier ministre, monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les représentants des hautes autorités de l'État, chacun et chacune pris en sa qualité, mesdames, messieurs les administrateurs de greffe et greffiers, mesdames, messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, mesdames, messieurs, chers confrères, chers invités, vous me permettrez, avant d'aller plus loin, de poser un acte qui n'est pas habituel lors des rentrées de conférences. Il se trouve que vous le connaissez certainement comme brillant avocat, excellent plaideur. Certains le connaissent sous ses nouveaux habits. De bâtonnier dauphin, il se fait appeler bâtonnier stagiaire. En ce qui me concerne, j'ai fini mon stage le concernant. Je veux dire, j'ai fini les cours que j'étais censé lui enseigner, tellement il apprend vite. Mesdames, Messieurs, j'ai envie, avant d'aller plus loin, de vous présenter le bâtonnier dauphin du Sénégal, Maître Papa Leïti Ndiaye. Et j'aurais souhaité qu'il vienne vous saluer lui-même. J'y tiens parce que ses invités, c'est mes invités, mais ce sont ses invités à lui aussi. Parce que dans quelques mois, il prendra la relève. Maître Ndiaye, vas-y. On a le papier là. Vas-y. Non, le papier là. Non, le, ça, c'est, là, ouais, c'est ça, la liste des personnes. Ça y est là. Merci. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, mesdames, messieurs les ministres, honorables députés, monsieur le procureur général près la Cour suprême, monsieur les présidents de chambre de la Cour suprême, monsieur le premier président de la Cour d'appel de Dakar, monsieur le procureur général pour la Cour d'appel de Dakar, mesdames, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, madame la présidente de l'OFNAC, madame la présidente de l'Observatoire des lieux de privation de liberté, monsieur le directeur général de la SNR, mesdames, messieurs les magistrats, Madame
la présidente du Conseil national des barreaux, Madame la représentante du bâtonnier de Paris, Mesdames, Messieurs les bâtonniers, Mesdames, Messieurs les avocats, chers confrères, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les doyens et professeurs d'université, Monsieur le représentant du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les représentants des plus hautes autorités de l'État, chacune et chacun pris en sa qualité, Mesdames et Messieurs les administrateurs de greffe et greffiers, Mesdames et Messieurs les officiers ministériels et auxiliaires de justice, Mesdames et Messieurs, chers confrères, chers invités, venus de tous les horizons. Je répète ce qu'a dit Mbaïgué. Alors, je ferai d'abord observer que mon temps de parole n'était en principe pas inscrit au programme, ce qui m'oblige à m'efforcer de le rendre le plus concis possible. Il s'agit surtout pour moi de rendre hommage, que dis-je, rendre la monnaie de sa pièce à Mbaïgué. Le bâtonnier Mbaïgué s'en offusquera peut-être, parce qu'il a cette forme d'humilité que célèbre Chateaubriand lorsqu'il nous apprend, je le cite, « La modestie est au mérite, ce que les ombres sont à un tableau, elle lui donne de la force et du relief. » Je rappelle au bâtonnier Mbaïgué, c'est lui qui a donné corps dans notre barreau à cette idée selon laquelle il faut saluer le mérite des gens pendant qu'ils sont encore parmi nous. Il y a quelques années, un homme politique de premier plan d'un pays limitrophe du Sénégal, Feu Koumbayala de Guinée-Bissau, pour ne pas le nommer, pour ne nommer d'ailleurs ni le pays ni l'homme, avait pris le pli dans toutes ses sorties publiques d'être attifé d'un bonnet rouge. Son bonnet suscitait naturellement une grande curiosité et comme nous sommes en Afrique, beaucoup se demandaient si ce bonnet n'était pas le siège de ces gris-gris. Eh bien, au cours d'une visite qu'il effectuait au Sénégal, alors que, si ma mémoire est bonne, il était chef de l'État, la question lui fut posée de savoir ce que cachait le bonnet. Joignant le geste à la parole, Koumbayala a ôté le bonnet, il l'a ouvert publiquement pour bien montrer qu'il n'y avait strictement rien d'épinglé dedans, avant de préciser. Comme les candidats étaient en nombre, ce bonnet était pour moi une façon d'être reconnu même de loin. Quel est le lien, me direz-vous? Je me suis rendu à Paris en novembre, à la rentrée du barreau de Paris, puis à Lausanne en décembre. C'était la réunion, le congrès de la CIB. J'en profite d'ailleurs pour remercier, n'est-ce pas, le barreau de Paris, Madame Athias, Madame la présidente du Conseil national des barreaux, qui ont fait preuve de teranga, comme on en fait au Sénégal. Je remercie également le barreau du canton de Vaud et les autorités de la CIB. Ils nous ont absolument bien reçus. Et comme la mémoire, comme disait Birago, quand elle va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. Parmi les moments les plus captivants de ce voyage, je dirais le texte qu'a prononcé Madame Christiane Ferral-Schul, qui s'appelait Adélaïde au pays des algorithmes. C'est fabuleux. Alors, pendant ces cérémonies, je me suis présenté comme étant le bâtonnier stagiaire du Sénégal. Il s'agissait pour moi, au-delà des traits d'humour auxquels j'ai habitué ceux qui me connaissent, de bien faire comprendre à toutes et à tous que bien qu'élu en juillet 2019, bien que j'ai été élu, et 2018 plutôt, jusqu'en juillet 2019, s'il plaît à Dieu, Mbaïgué reste le bâtonnier en exercice, le bâtonnier tout court. C'était cela l'objectif. Eh bien, Mbaïgué ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a décidé, et il me l'a dit, que je suis son alter ego, que nous sommes co-bâtonniers.
a commencé le jour même de mon élection, le 26 juillet, le jeudi 26 juillet. L'après-midi même, Mbaye m'appelle au téléphone et me demande de passer le voir le lendemain. Quand je me suis présenté, il m'a remis une première ordonnance datée du 26 juillet, c'est-à-dire du jour de mon élection, par laquelle il me désignait pour assurer l'intérim de la fonction du 30 juillet au 4 août, parce que lui devait se rendre à une mission à Ouagadougou. Il en a fait de même quelques semaines plus tard, en septembre, lorsqu'il m'a désigné pour le représenter à Niamey, n'est-ce pas, au cours d'une conférence organisée par l'UNOAS, ce qui m'a permis de faire connaissance avec notre excellent confrère Yaye Munkaila, qui a pris la parole tout à l'heure, avec également Yvon Détienou et toutes ces personnes-là. D'ailleurs, il s'est passé quelque chose d'absolument fabuleux, parce que ceux qui invitaient, ils m'ont adressé à moi directement la lettre en disant « Maître Papa Leïti Ndiaye, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal ». J'ai dit à Mbaye, écoute Mbaye, ces gens se sont trompés, ils m'ont adressé à moi la lettre directement. Il me dit, réponds-leur directement. Il n'en a pas démordu parce qu'en novembre encore, il me désignait de nouveau pour assurer l'intérim. J'aurais pu multiplier les exemples pour vous montrer à quel point est-ce que le bâtonnier Mbaye Gueye m'adoube pour cette fonction si gratifiante, mais si difficile. Je le sens à beaucoup de choses. Ce n'est pas pour me décourager, au contraire. Ça nous aurait coûté beaucoup de temps. Je tiens simplement, comme symbole de cette inclination du bâtonnier Mbaye Gueye, de mettre le doigt sur deux choix qu'il a opérés. Le premier, c'est celui de quasiment m'installer aujourd'hui dans les fonctions de successeur, alors que tout le monde sait que l'exercice commence en juillet. Deuxième chose, qu'il ait choisi la date de mon anniversaire pour procéder ainsi. Car figurez-vous que je suis né à la profession. Je suis entré en avocature. En d'autres termes, j'ai prêté serment le vendredi 17 janvier 1986, il y a exactement 33 ans, jour pour jour. Il fallait le faire. Moi, j'appelle cela de la générosité. Cette générosité qui procède d'une écriture sainte, quoi qu'apocryphe pour moi que je vais citer. Pour être un grand homme, il faut être généreux. Grandeur d'âme et don de soi vont de pair. Il s'agit d'une seule et même chose, parce que donner, c'est aimer. Et aimer est le devoir suprême de l'homme. Tout ce que vous donnez sans arrière-pensée enrichit votre vie et vous reviendra un jour ou l'autre de la façon la plus inattendue. Mbaye, souffre que je t'appelle ainsi. Pour avoir été président de l'AJAS, membre du Conseil de l'Ordre depuis plusieurs années, secrétaire général de l'Ordre, bâtonnier de l'Ordre, tu as fait preuve, tu fais encore preuve de générosité vis-à-vis de ton Ordre. Je n'en veux pour dernier exemple que cette conférence de stage qui hante toutes tes nuits depuis plusieurs mois et de la résolution que tu as prise, tu me l'as dit, de rester au service de l'Ordre. Tu as fait preuve et tu fais encore preuve de générosité vis-à-vis de la conférence des bâtonniers de l'OADA. Vis-à-vis de la conférence des bâtonniers de l'UMOA, tu as fait preuve, tu fais encore preuve vis-à-vis de ton pays, car tu viens d'accepter des fonctions au Conseil économique, social et environnemental. Il n'est pas saillant dans un environnement de croyants de dire d'un homme ou à un homme qu'il est irremplaçable. Il est toutefois permis de lui dire, voire de dire de lui, qu'il est difficile à remplacer. Au demeurant, Mbaye, puisque tu ne vas nulle part, qui ose parler de te remplacer? Quant à moi, bâtonnier stagiaire, affranchi du stage avec ta bénédiction, je te dis merci du fond du cœur.
Tout comme je dis merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait l'honneur le 26 juillet 2018 de me confier les rênes du barreau du Sénégal sur la base d'un programme que j'ai exposé. Je m'efforcerai de ne point les décevoir et j'espère en disant cela qu'il s'agit d'un doux euphémisme. Pour revenir à toi, Mbaye, du siège, une nouvelle fois, froissez ta modestie, que je dirai que tu mérites une standing ovation. Merci, merci mon cher ami Papa Leïti. Et nos excuses auprès des invités, mais il fallait le faire. Papa Leïti Ndiaye sera bâtonnier du Sénégal, s'il ne l'est déjà. Donc, il devait s'adresser à vous. Nous sommes aujourd'hui Barreau du Sénégal, honoré de vous recevoir en ce moment solennel sur cette légendaire terre d'hospitalité qu'est notre pays. Vous êtes venu de partout pour témoigner votre amitié et votre attachement au Barreau du Sénégal et au Sénégal, simplement. De la Guadeloupe, de la France, de la Belgique, du Liban, de la Haye, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, du Cameroun, du Burundi, du Rwanda, du Gabon, de la Guinée, de la Mauritanie, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et de nos voisins de Gambie. Devant une telle manifestation d'amitié et de confraternité, le barreau du Sénégal comblé ne peut que vous dire merci et faire en sorte que votre séjour en terre sénégalaise soit des plus agréables. Nous ne pouvons également que dire merci à M. le Président de la République pour son soutien constant au barreau du Sénégal qui s'est encore manifesté à l'occasion de la présente rentrée de la conférence du stage. M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice, mon cher ami Ismaël Major Fall, c'est avec plaisir que nous vous recevons aujourd'hui en magnifiant votre disponibilité envers le barreau du Sénégal, que vous associez à toutes les actions que vous menez au niveau du département de la justice. Prenant prétexte de la fin de la formation de nos jeunes confrères et en cela poursuivant une longue tradition, nous voici aujourd'hui réunis pour magnifier l'excellence et le verbe. Tout au long de ces journées, nous avons célébré la justice et plus particulièrement la profession d'avocat. Nous profitons donc de cette illustre occasion pour prendre le temps de communier sur les consolidations des acquis en matière d'intégration juridique par les barreaux au sein de l'UMOA. Le thème de cette rentrée étant intitulé « Le règlement numéro 05-CM-UMOA, les nouvelles compétences de l'avocat ». Mesdames, Messieurs, chers confrères, les avocats des États membres de l'UMOA ont en effet pris conscience des avantages mutuels qu'ils pouvaient tirer de leur appartenance, non seulement à un même corps, mais également à un même espace communautaire. Il est ainsi heureux que nous ayons compris que nul d'entre nous, agissant seul, ne peut véritablement et dans l'absolu réussir le pari de la défense. Cette intégration, nous la vivons aujourd'hui comme une réalité. Et j'en veux pour preuve la conférence des barreaux de l'espace UMOA créée par le règlement numéro 10-06. Je remercie tous les barreaux pour la confiance qu'ils m'ont faite en me portant à la présidence de la conférence des barreaux de l'UMOA au mois d'août de l'année 2018. Je remercie au passage mon conseil de l'ordre et tous les confrères des autres barreaux qui, au quotidien, me soutiennent dans cette tâche. L'organisation du service public de la défense n'est donc plus une affaire nationale, mais communautaire.
et les acteurs qui l'animent ont par conséquent l'obligation de l'encadrer au mieux des intérêts des populations et des professionnels. Il nous est aujourd'hui agréable de mesurer le chemin parcouru depuis l'amorce du processus d'intégration à travers ce règlement numéro 1006. Aujourd'hui, avec l'adoption du règlement numéro 05-CM-UEMOA et de ses règlements d'exécution, le processus d'intégration a connu des avancées encore plus significatives. À ce jour, nous avons